Bonjour tout le monde, c'est Gwendal, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Comment tout simplement euh, mettre, faire un silo comme euh, un silo sur, sur la Belgique profonde, sur la limousine, sur voilà, plusieurs maps. Euh, donc comment vraiment faire un vrai silo, un vrai silo, une vraie fausse voilà grande, euh, pour pouvoir bah, tout simplement mettre son lisier dedans. Enfin, mettre son lisier dedans, il se met automatiquement, mais bon, vous avez compris le concept. Et pas avoir un petit machin qui ne ressemble à rien du tout, qui a été créé par les créateurs de, de, de base là, qui, sont, qui est tout pourri. Voilà, comment vraiment créer une vraie fosse à lisier C'est extrêmement simple, sachez-le, ça c'est extrêmement simple. Alors, je vous montre en fait, comme sur la map de base, euh, bien sûr, je dis comment créer, modifier, vous allez déjà tout comprendre, donc modifier ça va être easy pour vous. Euh, tout simplement. C'est extrêmement simple. Et en premier lieu, donc, vous avez ce petit machin-là. Voilà, donc, qui va être le manure type. Manure pit, excusez-moi. Manure pit. Et donc en fait, qui va euh, nous servir de référence. Ensuite, on va... Donc, euh, alors moi, pour tout vous dire, voilà, bim, importé euh, Moi, j'ai en fait pris euh, une fossilisée un peu pourrie. Bon, c'est juste pour l'exemple, hein. en vrai, la map après, ne va... je vais même pas, je vais quitter je vais même pas sauvegarder la map, mais en gros, c'est juste pour vraiment vous expliquer le concept. Donc, euh, ensuite, donc, vous importez de votre fossilisier, donc là, c'est tout simplement celui de la Belgique profonde, voilà, je vais pas chercher plus loin. Euh, voilà, donc vous allez le mettre donc, en fonctionnement, on va dire, donc vous allez euh, abaisser le terrain, juste pour qu'il soit, euh... aïe, je... <laughs> je, me suis... je viens de me cogner contre mon micro. Juste fait pour qu'il soit euh, vraiment euh, bah nickel en fait, hein, tout simplement pour qu'on enfin qu ne voit pas le, on va dire, le terrain qui le transperce. Donc, alors, le problème c'est que Giant Editor est assez mal fait sur ce point-là, je trouve, en tout cas, et qu'en fait, on ne peut pas avoir. Et d'ailleurs, il fa faudrait vraiment qu'il le résoudre, qu'il le résolve, qu résolve ouais, je pense qu'on dit plutôt. C'est qu'en fait, euh, quand on abaisse le terrain, on est obligé, en fait, on, en fait, on peut pas abaisser le terrain. En fait, en... voilà, l'arête en fait ne peut pas se faire en ligne droite, en ligne droite. Donc cette arête, là là qui descend, elle peut pas se faire en ligne droite parce que si elle se fait en ligne droite, bah, on la mettrait le long du mur et puis bah ce serait fait nickel, ce serait fait direct. Le problème, c'est qu'on ne peut pas, ce n'est actuellement pas possible. C'est pour ça que dans toutes les maps, quand je dis toutes les maps, c'est toutes les maps, hein, ne me trouvez pas d'excuses, euh, il y a en fait des trucs pour cacher le côté. Donc si je prends exemple la Belle joue profonde, bah à côté il y a des plaques de béton qui protègent, enfin qui protègent qui cachent, en fait. Donc, voilà, des plaques de béton qui, qui, qui sont collées là, qui sont sur le terrain, et puis, bah, du coup, ça nous cache du... Enfin, ça nous... Voilà, on voit, on voit pas le trou. Tout simplement. Donc, voilà. Bon, voilà. C'est juste pour expliquer ça. Ensuite, donc, une fois que le trou a été fait, donc, on a notre belle fausse aisier machin, machin. Alors, maintenant, il va falloir mettre euh, ce qu'on appelle euh, ce qu'on appelle le plan. Voilà, je vais chercher le mot. faut qu'on mette le plan. Alors, bien sûr... Un truc qu'il va falloir quand même... Euh, que vous pouvez faire et qu'il faut faire un peu gaffe. C'est qu'il faut prendre, on va dire, un plan... Euh, comment dire Avec des textures... Euh, qui, Parce qu'en fait, là, le plan de base, en fait, vous n'allez pas à pouvoir le prendre tel quel. Donc, voilà, donc pour trouver le plan de base, vous allez dans Animal, Co. Et donc ensuite, vous cherchez un truc qui s'appelle le... Je ne sais plus, Liquid talk Manure, Voilà. Voilà. Et après, on va trouver un autre truc. Donc, vous cherchez un truc qui s'appelle liquide Tank Manure dans Animal et Co Unburry. Donc, Liquid Manure, qu'est-ce que ça va être de Manure, en fait, ça va tout simplement être le. Euh... Donc, Liquid Manure, ça va tout simplement être le, le lisier. Donc, en l'occurrence, pour moi, donc, bien sûr, donc, il est dans. Donc, là, on peut voir l'index qui est 4 inférieur à 0 euh, sur 3. Et ça, il va falloir que le plan. Reste à cette valeur là, et ça, il va pas y avoir le choix. Si, si c'est plus à cette valeur là, il va falloir le rechanger encore, donc ça va être galère. Il faut actuellement que ça reste dans cet ordre là. Donc là, bon, on peut voir là, si vous voulez vraiment vous référencer et pas forcément prendre les valeurs, tout ça, bah là, vous voyez en dessous, donc là, Cohen's qui commence de là, enfin, ouais, qui commence de là et qui finit là. Donc là, on peut voir qu'on a Plane, Milk Robot et liquide Manure Tank. Donc on va dire que c'est le troisième important de la fin. Voilà. Ensuite, donc, donc le, dans ce machin-là, il va y avoir plusieurs trucs. Et on peut voir déjà qu'il y a des attributs. Des attributs, j'en reviendrai tout à l'heure. Donc si j'ouvre le machin, on peut voir qu'il y a plusieurs trucs. Il y a le plan, justement, le fameux plan qu'on doit devoir récupérer. Un trigger, qui est symbolisé par un axe. Et le pit, qui est simplement le truc tout pourri. Euh, le truc tout pourri. Voilà. Donc si je... Voilà, donc le, le plan... Voilà, ça fait ça. Voilà, si je supprime, en fait, ça supprime le truc en béton. C'est ce qu'on va faire, en l'occurrence. Euh... Et aussi, on va garder ça. Alors, ouais, vous allez dire, mais moi, je veux pas ça sur ma map. Parce que c'est moche pour commencer. Et puis, non, c'est tout pourri, je ne le veux pas. Alors, il y a une façon, donc, on va le garder. Parce que sinon, si moi, je, si je dois vous faire un tuto pour tout réinstaller, ça va être impossible. Hein, puis, au final, ça va revenir au même résultat. Sauf. Sauf si vous vivez sous la map, voilà. Si vous, si vous cultivez vos champs sous la map, là ça n'a pas marché. Bon je pense pas, mais euh, voilà. Dites-moi quand même dans les commentaires <laughs> pour que je refasse un tuto au cas où ça vous arriverait. Euh, voilà donc, code donc on a supprimé le truc et il y a, on a ça qui nous reste. Donc qu'est-ce qui nous reste Il nous reste donc l'objet du ça là, du, du, du du moteur on va dire, euh, le plane, le fameux plane qui nous intéresse le plus et le trigger qui nous intéresse pas mal aussi. Okay. Non, bon. ok. Donc une fois, qu'on a récupéré tout ça, donc on va le bouger. Donc moi je vais le mettre. Euh, on va le mettre à côté. Dans le B, machin, machin. Donc alors après le moteur, vous le souffle, enfin. Après moi, moi clairement, clairement, moi je trouve que ça le fait style, clairement, de laisser le moteur genre euh, un peu, un peu sur le côté, genre qui, qu est comme ça. Je trouve que ça peut faire un peu style moi. Bah je sais pas vous, mais euh, moi je trouve que ça fait style. Bon bah en tout cas. Bah, bah, vous voyez, vous, mais euh, ça va être. Ça va être la, la, la chose va être exactement la même pour les deux. Euh, donc, voilà. Donc, alors, si vous voulez qu'il soit sur le côté, vous le mettez sur le côté. Si vous voulez pas qu'il soit sur le côté, vous le foutez dessous la map. Voilà, du, 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 de l'utilité de, de fait ne pas les regarder sous la map, hein, ce qu'il y a. Ensuite, nous on va récupérer le plan, le fameux. Et on va récupérer le Manure Trigger, voilà, qui est symbolisé par un axe. Euh... Petite chose, l'axe, alors l'axe, le problème, c'est que... Euh... Euh, les En fait, les tonalisiers, les fausses... Les tonal, oui, les tonalisiers, ont un trigger euh, avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, les tonalisiers, donc il y a la tonalisier, hein, imaginez, ça c'est la tonalisier, voilà, avec les petits trous. Et sur le côté... Ce qu'on ne voit pas bien sûr, il y a un grand trigger. Enfin, au côté sur, sur... tout autour. Tout, 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 tout. Il y a un trigger. Qui en gros, quand il va détecter un... un truc qui va intéresser. Donc je, notamment, moi, moi c'est mon trigger, celui-là, là, Donc, quand il va trouver un truc comme ça, qui va être dans son... dans son... dans son truc, il va dire, attends, j'ai un trigger. Du coup c'est bon, je peux remplir. Parce que c'est bon, maintenant j'ai un truc qui me dit je peux remplir. Donc le trigger. Il va falloir le laisser... Ouais, il va falloir le mettre pas trop loin d'où vous allez prendre l'usier. Euh, donc, moi je vais le mettre sur le côté. Machin, je vais le mettre au milieu comme ça. Pff, au moins, on n'a pas de soucis. Ensuite, on a notre plane. Donc, le problème, c'est que notre plane, quand on va les tirer, donc moi je vais devoir les tirer puisque, bon, là il est un petit peu petit quand même. Hein. Donc, alors, on va les tirer. Donc, si je mets deux ça va pas être assez. Je vais mettre 3. C'est pas assez encore. 3,2 peut-être, on ne sait pas. 3,2 ça passe, ok, 3,2 ça passe. Donc la taille, voilà. ça, Cette valeur là on s'en fout, on pourrait même mettre 0000000001. Puisque c'est un plan et un plan c'est juste une ça n'a pas de forme 3D. Ça n'est qu'une seule forme 2D. En taille, je parle bien. Et ensuite là on va mettre je sais pas 9. Je sais pas si 9 ça va être un peu grand, c'est un peu plus petit. On va mettre 9, on va mettre 11, on ne sait pas. Bon c'est pas forcément c'est pas encore assez. Je vais je, je bien faire les réglages comme ça au moins vous allez... Vous allez bien pouvoir voir. On s'en prend prendre deux secondes. Voilà, bon, c'est à peu près bien fait. Donc là on peut voir que la texture est actuellement dégueulasse. C'est pour ça qu'il va bien falloir faire gaffe à soit changer la texture du truc, soit en prendre un autre. Donc je, si vous en prenez un autre, c'est extrêmement pas compliqué. Donc, par exemple. Euh, par exemple. Euh, par exemple, forcément, attendez. Voilà. Donc, par exemple, voilà, vous en importez un de notre map ou d'où vous voulez, hein, clairement. Vous l'importez donc celui de base, celui que vous avez, donc liquide manure machin, celui que vous avez, celui-là, là. donc liquide manure, on le supprime et on va le remplacer par un autre. Donc après, voilà, CTRL-X, vous, vous mettez dessus, vous faites un CTRL-V, vous faites gaffe que l'ordre soit le même. Là en l'occurrence, bah, c'est pas le même le même qu'avant regardez bien avant où il est placé dans l'ordre euh, donc moi on peut voir que mon moving index donc c'est 0 inférieur à 0 et là on peut voir que c'est donc là on peut voir que la dernière valeur c'est 1 et non 0 Alors, après c'est petit truc à prendre donc ensuite on fait move up et là on peut voir que là il a changé il s'est mis à 0 tout simplement donc voilà donc bien vérifier bien sûr que euh... Que euh, donc le trigger c'est bien ça et le moving c'est bien ça, voilà, voilà, <laughs> Tout simplement. Ensuite, donc le trigger, voilà qui est bien, je vais là. Si vous n'arrivez pas à apprendre, c'est que ça vient de votre trigger. Donc euh, essayez de faire gaffe, voilà, essayez de faire gaffe au, au trigger. C'est un petit truc hyper important, donc faites gaffe à ça. Alors, ensuite, mon, mon, mon move plan, le problème c'est que. Maintenant il va plus bouger pareil parce que notamment c'est beaucoup plus haut. Enfin c'est... Enfin oula C'est beaucoup plus bas et c'est beaucoup plus haut qu'avant. Donc il va falloir modifier ça. Donc pour commencer on va mettre la valeur la plus basse. Donc la valeur la plus basse, comment qu'on fait La valeur la plus basse, c'est quand il va y avoir 0 litre de lisier. Voilà. C'est quand vous vache, il va y avoir vraiment 0 litre de lisier et puis vous n'allez pas pouvoir... Enfin euh, il n'y en a pas quoi. Donc là on va le mettre dessous. Voilà. Donc là, on repère ça, voilà. Deux chiffres après la virgule, je précise. Donc là, j'en ai un seul. Enfin, c'est le maximum. Donc là, j'en ai un seul. Donc si vous en avez trois, bah, vous, vous rectifiez, vous, vous, vous mettez la valeur euh, la plus proche, on va dire. Ensuite, on revient là-dedans. Notre liquide minor tank. Et donc, on voit la valeur min max y. Donc la min max y, donc la translate y, vous avez compris. Hein. Voilà. Donc la valeur, donc ça c'est la valeur minimale, c'est la valeur euh, quand il n'y en a pas, donc la valeur minimale. Donc on va la remplacer. En fait, vous pouvez même tout effacer. Donc la valeur minimale, ça va être la première. Ensuite vous séparez avec un espace de la valeur maximale. Et donc on va faire ça tout de suite. Donc là on va monter la valeur maximale. Donc là après la valeur maximale, c'est vous que voyez, machin. Moi je vais mettre ça. Voilà. Donc deux chiffres après la virgule, c'est bon. En seul pour... Alors, met un seul. On va mettre un seul. CTRL-C et ensuite donc je vais par une par un espace, CTRL V. Et donc on peut voir voilà, que c'est séparé un, par un espace. Et voilà. Donc, et la capacité ça va être tant. Donc ça va être 800 ml. Alors après, vous pouvez faire un parc de 150 000 euh, faux salisiers. Bon 150 000 j'habite un peu mais de 5-6 faux salisiers, vraiment que ce soit un gros gros truc. Vous pouvez, hein, voilà. Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Euh... Donc là pareil, alors là le truc c'est que les, les fossésier ne vont pas monter une par une, elles vont monter faites tout, tout en même temps. Il y a des possibilités qu'elles montent une par une. Je vais pas vous l'expliquer, <laughs> parce que c'est compliqué. Et puis vous, je pense que vous allez vous, cont vous contenter d'une seule, donc ça va, ça va marcher. Et voilà, et maintenant vous pouvez mettre où vous voulez le plan, de toute façon on s'en fout. Alors, le plan, je parle bien, le plan, pas le, pas le truc. Parce que si vous modifiez celle-là, voilà, une fois que une fois que vous avez mis celle-là, et une fois que vous avez commencé à attribuer les valeurs min-max, il ne faut, euh, faut plus toucher au liquid manure tank parce que tout simplement, ça va fausser toutes les valeurs. Donc là, en l'occurrence, on prend que le plan. Et euh, moi, j'aime mieux le mettre en dessous. Après, vous pouvez le laisser comme ça, ça ne change rien, puisque après, le jeu va le recalculer directement. Puisque quand vous allez spawner sur la carte. Il va prendre le truc tel que, enfin, il va prendre le truc tel que voit sur euh, Giant Editor et ensuite, il va l'adapter. Donc, par exemple, euh, c'est pour ça que si vous spawnez devant une barrière, vous allez voir la barrière se baisser, puisque euh, les barrières sont, et bah, euh, levées sur Giant Editor Et puis, lui, après, le jeu, il va réadapter, réadapter tout ça. Donc, ça se rend une fraction de seconde. Hein. Le jeu, il calcule direct. Il dit, attends, j'ai le truc, je l'adapte. Voilà, direct. Euh, donc là, bah, si vous spawnez devant, et bah, vous allez voir le truc qui va descendre d'un coup. Enfin, vous allez même, étant donné que ça se fait très très vite, vous n'allez pratiquement même pas le voir. Donc voilà, ce qui va d un, d un instantanément, chut, voilà disparaître, enfin, se mettre à la valeur la plus basse. Sauf bien sûr si vous spawnez et vous avez déjà des litres dans la fosse aisée En quel cas, ah là ça va se mettre à la valeur la valeur définie. Et vous avez votre fosse aisée, Voilà votre fosse à et Là, elle est fonctionnelle. Vous pouvez avoir des petites erreurs en disant ouais mais attends, moi ça marche pas. Assurez-vous bien d'une chose, c'est que, donc pour commencer la capacité soit pas zéro, hein, parce que sinon ça n'a pas beaucoup marché, euh, le movement max qui soit bien défini, voilà, avec euh, bien sûr les valeurs, donc là, maximum, minimum, enfin minimum, vous avez compris, le moving index, bien qu'il soit en premier, donc... Là on peut voir donc 0, 1, donc bah 0, 1, voilà, on a, là, on a 0, on a 1. Simplement. Euh... Voilà donc 0, 1, puis après 2, 3, 4, 5. bon, voilà. Et aussi euh... voilà, voilà, non, et puis c'est tout pratiquement. Voilà. Et puis bien sûr aussi que vous n'avez pas changé l'ordre. Euh, dans, euh, dans tout ça Parce que lui après l'équilibre manure Index, donc là index on peut voir que c'est le 3 Donc 0, 1, 2, 3 Bien sûr commencer à 0 et pas commencer à 1 Parce que sinon ça ne va pas marcher Et voilà on peut voir que c'est le 3 Voilà tout simplement Faire gaffe à tout ça et Normalement ça devrait marcher Tout simplement, voilà Merci à tous d'avoir regardé la petite vidéo Vos questions en commentaire Tout est expliqué Dans euh, le... Tout est expliqué dans le... la vidéo Ça moi ça marche Voilà parce que j'ai déjà fait sur plusieurs maps Donc ça marche Si ça marche pas c'est que ça vient de vous Je ne pourrais pas vous aider C'est à dire que je ne... je ne connais pas votre Ce que vous avez fait sur Giant Editor via, euh... via votre ordinateur Ça va être impossible hein. Je ne peux pas Donc regardez le tuto Essayez de comprendre De reprendre les étapes une par une Et de voir où ça a merdé euh, Si vous pouvez pas prendre Puisque je pense que ça va être ça la majeure erreur assurez vous bien que le trigger soit bien 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 limite sur la sur la rangée à côté voilà voilà que ce soit vraiment pas complètement de l'autre côté parce que sinon les, les triggers des, des tonalités sont pas non plus extrêmement grands Il faut que le, le trigger voit l'axe ou même qu'il soit trop bas donc élevez le un petit peu voilà comme ça au moins vous allez être sûr en attendant portez vous bien merci à tous le Guanal Modding, euh, Facebook, Skype, euh, euh, Facebook, Skype, Twitch, euh, voilà, Guanal Modding Everywhere, Guanal Modding. Abonnez-vous à la chaîne, vous êtes beaucoup, beaucoup d'abonnés et ça, ça fait plaisir. En attendant, portez-vous bien, vos idées tutos en commentaire et moi je vous dirai à plus tout le monde!